Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Karl Marx et Friedrich Engels commencent en effet leur manifeste du Parti communiste en 1848 par cette affirmation. Esclavagistes et esclaves, serfs et seigneurs, capitalistes et ouvriers, la société humaine est, depuis des millénaires, divisée en classes. Le désir et l'aspiration à vivre dans un monde sans exploitation ni oppression existent depuis aussi longtemps, ainsi que des luttes révolutionnaires. Marx et Engels ont développé le socialisme à partir d'une utopie, à l'état de vœux pieux, jusqu'à en faire une science. Ils justifient le rôle historique mondial de la classe ouvrière, capable de renverser le capitalisme dans la révolution prolétarienne et de construire une société socialiste. Le programme communiste effraie les classes dirigeantes. Il reproche à Marx et à Engels de vouloir l'abolition de la propriété personnellement acquise, fruit du travail de l'individu, l'abolition de l'individualité et de la liberté de la famille. Les deux répondent dans votre société, la propriété privée est abolie pour les 9/10 de ses membres. C'est précisément parce qu'elle n'existe pas pour ces 9/10 qu'elle existe pour vous. Vous nous accusez de vouloir abolir votre propriété à vous ? En vérité, c'est bien ce que nous voulons. Le manifeste communiste connaît rapidement une large diffusion. Il devient l'un des livres les plus lus dans le monde et contribue à sa transformation révolutionnaire. Le spectre du communisme reste un cauchemar pour les classes dirigeantes partout dans le monde. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. La crise économique et financière mondiale la plus profonde, la plus globale et la plus durable dans l'histoire du capitalisme éclate à la fin de l'année 2008. Des guerres et des mouvements insurrectionnels secouent des régions entières du monde. Une crise environnementale globale menace les moyens d'existence de toute l'humanité. Au niveau mondial, une tendance à gauche se développe parmi les masses. Une situation mondiale historiquement nouvelle est en train d'émerger. Elle recèle le potentiel d'une crise révolutionnaire mondiale. Aujourd'hui, l'impérialisme, avec sa tendance généralisée à produire des crises, peine à convaincre quiconque. Au contraire, les conditions matérielles préalables au socialisme sont aujourd'hui plus avancées que jamais. Les possibilités techniques et scientifiques pourraient constituer la base d'États socialistes unifiés au niveau mondial et d'un ordre social communiste. Toutefois, pour justifier l'exploitation et l'oppression impérialiste et le pillage effréné et insensé de la nature, le socialisme est diabolisé avec encore plus de véhémence et par des subterfuges encore plus subtils. Profondément préoccupé par le fait que toutes les campagnes de dénigrement précédentes n'ont pas durablement écorné le prestige du socialisme, le Conseil d'Europe adopte dès 2006 une déclaration fondamentale anticommuniste. Ils veulent enfin venir à bout du spectre du socialisme. C'est pourquoi ils décident que
La vraie cause du terrorisme international, c'est le communisme. Cette déclaration sur la nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires est basée sur le sulfureux livre noir du communisme d'un certain Stéphane Courtois. Il s'agit d'un pamphlet sur commande contenant des récits terrifiants sur l'Union soviétique alors socialiste et la Chine de Mao Zedong. Même les victimes de la guerre de résistance de l'Union soviétique socialiste contre le fascisme hitlérien sont présentées comme des victimes du socialisme. Mais cette calomnie, présentée avec des chiffres fictifs, est tellement flagrante et stupide que même les scientifiques bourgeois sérieux la critiquent comme insoutenable. Mais les médias ignorent cette critique. Ils n'arrivent pas à fonder leur lutte contre le socialisme sur des faits et des arguments. Il ne leur reste que la possibilité d'influencer les masses par des préjugés anticommunistes et par des peurs attisées systématiquement. Avec un mélange de mensonges, de demi-vérités et de vérités, et en se servant des conceptions, des sentiments et des expériences progressistes, ils peuvent réussir cette manipulation plus efficacement qu'à travers l'anticommunisme ouvertement réactionnaire. Dans le programme du MLPD, l'anticommunisme moderne est caractérisé ainsi. Il s'est hypocritement adapté à l'esprit du temps, adopte une position critique par rapport à la société capitaliste pour diffamer en même temps le socialisme. Les attaques de l'anticommunisme moderne en Allemagne se concentrent sur le MLPD. C'est parce qu'il porte avec fierté les noms de Marx et Lénine qu'il développe dans son travail théorique de façon créatrice leurs enseignements fondamentaux sur toutes les questions brûlantes de l'actualité qu'il est attaqué par ceux qui sont au pouvoir. C'est parce que, en tant que parti marxiste-léniniste de type nouveau, il ne lâche pas un seul instant le flambeau de l'idéologie de la liberté du communisme qu'il est combattu. C'est parce que, en tant que parti révolutionnaire, il lutte pour la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme que l'on essaie de le passer sous silence. C'est parce qu'il ne se contente pas de l'égalité des droits des femmes sur le papier, mais qu'il prend en fait et cause pour la libération de la femme dans une société libérée, qu'il y a des tentatives claires ou subtiles pour le marginaliser et le calomnier. C'est parce que, en tant que parti de l'internationalisme prolétarien, il s'emploie à la lutte de libération des peuples et des nations opprimées contre l'impérialisme, qu'il est qualifié de complice présumé du terrorisme international et réprimé. C'est parce qu'il prend fait et cause pour un ordre social dans lequel l'homme vit en unité avec la nature et ne menace pas l'existence des générations futures par une exploitation abusive qu'il est diffamé. Il fait partie de la méthode de l'anticommunisme moderne de passer sous silence le MLPD et sa ligne afin d'ériger un véritable rempart composé de peurs et de préjugés émanant d'un mode de pensée petit bourgeois anticommuniste. Ceci fait aisément de l'effet parmi les masses. Les médias n'osent pas donner la parole aux représentants du MLPD. Elle dissimule intentionnellement le fait que, depuis des dizaines d'années, le MLPD a été souvent le premier à défendre des revendications significatives du mouvement ouvrier, du mouvement des femmes ou du mouvement de masse antifasciste. Cela vaut par exemple pour la revendication de la semaine de 30 heures avec compensation intégrale de salaire qui a été remise aussi à l'ordre du jour par des scientifiques progressistes et des syndicalistes combatifs. Cela vaut également pour la revendication aujourd'hui largement répandue de l'interdiction de toutes les organisations fascistes et de leur propagande. Mais dans la tendance à gauche internationale, les masses pensent de plus en plus par elles-mêmes. L'anticommunisme moderne perd de son impact. Un système qui ne produit plus que des crises et qui entrave et opprime tout progrès durable, ne peut être justifié à long terme. Partout dans le monde, des foyers de lutte s'embrasent.
de nouveaux partis révolutionnaires et des mouvements combatifs émergent. L'ouverture d'esprit au véritable socialisme progresse, en particulier là où les marxistes-léninistes sont impliqués. Les mouvements insurrectionnels ne doivent pas se retrouver dans une impasse ni être instrumentalisés par des forces réactionnaires. Voilà pourquoi il importe que les forces révolutionnaires s'unissent à l'échelle mondiale. En octobre 2010, plus de 40 organisations et partis révolutionnaires de 4 continents ont fondé l'ICOR, la Coordination internationale de partis et organisations révolutionnaires. Sur l'objectif de la nouvelle organisation, Stefan Engel, alors président du MEPD, a déclaré lors de la célébration de sa fondation. Aujourd'hui, la situation a mûri pour faire un pas en avant important vers une coopération organisée durablement dans le mouvement ouvrier international et révolutionnaire. Il ne doit pas se reproduire que des forces révolutionnaires, des soulèvements révolutionnaires et des mouvements de libération héroïques puissent être étouffés en raison de leur isolement national, du manque de solidarité internationale et par une contre-révolution internationale. En fait, quelle est l'histoire de l'anticommunisme? Quelle conception et les intérêts de qui représentent-ils? Dès l'origine, l'anticommunisme va de pair avec la calomnie, la persécution, l'oppression, le meurtre et l'assassinat. C'est l'idéologie de la non-liberté, de l'hostilité féroce contre le mouvement ouvrier et le progrès social de l'humanité. La lutte contre l'anticommunisme est donc vitale pour chaque activité révolutionnaire. C'est un dur combat politique contre la discrimination et la répression politique. En particulier, c'est une lutte idéologique pour se libérer des chaînes de la société bourgeoise. Déjà, Karl Marx fut calomnié et persécuté. D'abord expulsé d'Allemagne, puis de France et de Belgique, il vécut à partir de 1849 en exil en Angleterre, parfois dans des conditions les plus précaires. Avec son plus proche ami et camarade de combat, Friedrich Engels, il élabora les lignes de base du marxisme. La marche triomphale de celle-ci au sein du jeune mouvement ouvrier fut réalisée dans le cadre d'une lutte difficile et combative, mais s'avéra irrésistible. En Allemagne, en 1878, le chancelier de fer, Otto von Bismarck, adopta des mesures contre les dangereuses aspirations de la social-démocratie avec les lois sur les socialistes. Mais le SPD, encore révolutionnaire à cette époque-là, ne se laissa pas intimider et accomplit un travail quotidien illégal et inventif. Lorsque la loi sur les socialistes dut être abrogée en 1890, le SPD était devenu un parti de masse. L'offensive de l'anticommunisme de Bismarck avait échoué. Au début du XXe siècle, l'idée du communisme se changea pour la première fois en une force matérielle. Pendant la Première Guerre mondiale, dévastatrice, la révolution d'octobre en 1917 en Russie marqua un tournant historique. Les dirigeants dans les pays capitalistes prirent peur devant ce prétendu putsch. Mais les ouvriers et travailleurs du monde entier s'enthousiasmèrent pour la première révolution prolétarienne victorieuse dirigée par le Parti communiste formé par Lénine. Sa victoire constitua un aiguillon et un encourageant pour les masses en Europe qui se soulevèrent contre la guerre et la famine. Des luttes révolutionnaires éclatèrent dans de nombreux pays, mais elles furent, comme la révolution de novembre 1918 en Allemagne, étouffée dans le sang. Ses dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, furent sauvagement assassinés au nom de l'anticommunisme. Ce même anticommunisme recourt sans hésitation au crime ou à la terreur à n'importe quel prix. La liberté d'exploiter les autres justifie tout à ses yeux. Lénine a toujours défendu une stratégie de la révolution internationale.
Après la répression sanglante des mouvements révolutionnaires dans les autres pays européens, il se donna le défi de commencer la construction du socialisme dans un seul pays, avec en ligne de mire la révolution internationale. Cette construction réussie du premier pays socialiste dans le monde, en dépit de plusieurs années d'intervention militaire brutale et massive des pays capitalistes, constitue aujourd'hui encore un défi lancé par le mouvement ouvrier révolutionnaire international à l'impérialisme. Tout d'abord, il s'agissait, par le biais de la dictature du prolétariat, surtout d'en finir à l'intérieur de la jeune Union soviétique, avec les partisans des classes renversées. Ceux-ci ne reculèrent devant aucun crime pour saboter la construction du socialisme et faire reculer la roue de l'histoire. En même temps, le socialisme propagea la démocratie la plus large pour le peuple travailleur. Les ouvriers eurent le pouvoir au sein de l'État. Dans les entreprises, les ouvriers décidaient des conditions de production et de travail dans le cadre de leurs organisations syndicales et de partis et sur la base de plans pour l'ensemble de la société, chose impensable dans le capitalisme. La libération des chaînes du capitalisme permit des progrès époustouflants dans l'industrie et l'agriculture et dans toute la vie des masses. La Russie, pays agricole arriéré, devint l'état industriel moderne de l'Union soviétique. Des millions de personnes apprirent à lire et à écrire, avec des conditions sociales conquises pour la vie en communauté, nutrition, logement, éducation, médecines et droits nouveaux. Les conditions préalables furent créées pour libérer les femmes de l'oppression qui avait duré des siècles. Les initiatives d'artistes et de cinéastes, de scientifiques et d'ingénieurs passionnèrent des gens progressistes partout dans le monde. L'édification du socialisme devint une réussite. En 1924, Lénine décède à l'âge de 53 ans seulement. Joseph Staline prend la direction du parti et de l'État et poursuit la politique victorieuse de Lénine. C'est précisément ce qui fait de lui le personnage détesté des anticommunistes partout dans le monde. Alors qu'en Union soviétique socialiste on progresse, le monde capitaliste plonge dans une profonde crise économique mondiale de 1929 à 1932. Par crainte d'autres révolutions socialistes, les grands monopoles industriels et d'armement recourent à la terreur pure et simple contre le mouvement ouvrier révolutionnaire. En Italie, en Espagne, au Japon et en Allemagne émergent des régimes fascistes. En Allemagne, Hitler est porté au pouvoir par les monopolistes dans le but principal d'extirper le socialisme-communisme sur le plan international. Déjà dans son livre Mein Kampf, Mon combat, Hitler menait odieusement campagne contre la prétendue conspiration mondiale judéo-bolchévique avec une horrible mixture d'antisémitisme et d'anticommunisme. Dès le premier jour de la dictature fasciste, la guerre contre l'Union soviétique se prépare. Les assassinats, tortures, ces camps de concentration pour des dizaines de milliers de communistes et autres progressistes, jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, montre l'anticommunisme sous sa forme historique la plus agressive. Contre tous les adversaires intérieurs et extérieurs, Staline réussit à défendre le bastion de la classe ouvrière internationale et du socialisme. Mais le danger de guerre émanant des fascistes augmente. Les impérialistes occidentaux attendent tout simplement que l'Allemagne fasciste liquide l'Union soviétique. Leur gouvernement rejette formellement toutes les propositions d'action commune contre le fascisme que Staline fait à l'Angleterre, la France et aux États-Unis. Staline contrecarre cette politique de tolérance par rapport à l'agression de Hitler. Par un coup génial, il conclut en 1939 un pacte de non-agression avec l'Allemagne hitlérienne. Ainsi, l'Union soviétique gagne un temps précieux et indispensable pour se préparer à l'agression fasciste. L'historiographie bourgeoise diffame le pacte germano-soviétique. En fait, ce pacte de non-agression était la condition préalable de la victoire sur le fascisme hitlérien.
le cours de la Seconde Guerre mondiale le montre sans équivoque. On ne peut guère falsifier l'histoire de façon plus grossière qu'en affirmant aujourd'hui par anticommunisme que deux tyrans pareillement criminels se seraient affrontés au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien l'armée hitlérienne qui a envahi l'Union soviétique socialiste le 22 juin 1941. Et c'est la conscience socialiste des masses en Union soviétique qui a mis à genoux, par d'énormes sacrifices, le fascisme hitlérien disposant d'un meilleur armement. Ce n'est que sous la pression massive du mouvement ouvrier, surtout en Angleterre et aux États-Unis, que la coalition antifasciste anti-hitlérienne a été créée par l'Union soviétique entre les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Le socialisme est sorti plus fort de la guerre parce que les masses en ont tiré les leçons. En Europe de l'Est et dans la partie orientale de l'Allemagne, des démocraties populaires ont émergé et ont fait des premiers pas vers le socialisme. Lorsque, en 1949, la révolution de démocratie nouvelle l'a emporté aussi en Chine, un tiers de l'humanité avait été libéré de l'exploitation et de l'oppression capitaliste. Ce camp socialiste a également renforcé des partis communistes dans les pays impérialistes. Mais cela n'avait nullement été le but de guerre de l'impérialisme. Les dirigeants dans les pays occidentaux furent alertés. Pendant la guerre, le mouvement Uncle Joe, qui comprenait 1 million d'hommes, s'est formé aux États-Unis. Uncle Joe, c'était Joseph Staline. Ce mouvement réclamait plus d'efforts de la part des États-Unis pour soutenir l'Union soviétique dans la lutte contre le fascisme hitlérien. Le magazine Time rendit hommage à Staline en même temps qu'à Churchill et Roosevelt en tant qu'homme de l'année. Après la fin de la guerre, la contradiction entre le capitalisme et le socialisme passa à nouveau au premier plan. Les États-Unis changèrent leur tactique et une chasse fanatique aux communistes fut déclenchée pendant l'ère McCarthy. La dite guerre froide commence. Des artistes et des scientifiques célèbres comme Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Albert Einstein et Robert Oppenheimer furent attaqués. Thomas Mann, l'écrivain allemand de renommée mondiale qui s'était réfugié aux États-Unis en fuyant les fascistes hitlériens, est mis sous la foudre de l'anticommunisme comme l'un des plus importants défenseurs au plan mondial et partisan de Staline. L'Allemagne de l'Ouest devient un État de première ligne et l'anticommunisme la religion d'État du nouvel impérialisme allemand. Adenauer, le chancelier fédéral de la CDU, Union chrétienne-démocrate, s'active comme maître de la démagogie anticommuniste. Il ne cesse d'évoquer la menace d'un danger rouge provenant de l'Union soviétique socialiste ou d'un péril jaune provenant de la Chine révolutionnaire. Ce faisant, il justifie la division de l'Allemagne, le réarmement et l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à l'alliance militaire impérialiste de l'OTAN. Le 17 mai 1956, le KPD, le Parti communiste d'Allemagne, avec ses près de 400 000 membres, est interdit. Déjà, son organisation de jeunes, la Jeunesse libre d'Allemagne, la FDJ, avait été interdite dès 1951. Elle avait fait campagne avec une vigueur particulière contre la remilitarisation. Cet anticommunisme agressif prend aussi comme cible les antifascistes qui viennent d'échapper au camp de concentration. Ils sont à nouveau détenus, perdant leurs droits en tant que persécutés par le régime nazi. Pour leur juste conviction, ils sont traités comme de grands criminels. 250 000 procédures judiciaires sont engagées contre les communistes. 2 000 condamnations à des peines de prison sont prononcées. 60 000 expropriations privées sont imposées. Des dizaines de milliers sont exclus des syndicats.
En Allemagne de l'Est, les masses se sont battues pour obtenir des débuts prometteurs dans la construction du socialisme. Aujourd'hui, la RDA est diffamée globalement comme état de non-droit socialiste dans les médias. Le socialisme aurait été dès le début une économie de pénurie à cause de l'absence de concurrence. La disparition de la RDA en 1989 en serait la preuve. Mais ce qui a été vendu en RDA depuis la fin des années 1950 comme socialisme réel avait depuis longtemps déjà cessé de l'être. Dans tous les anciens pays socialistes, le capitalisme est maintenant restauré. Que s'est-il passé? Ce que les attaques anticommunistes de l'extérieur n'avaient pas réussi à faire a été réalisé grâce à des changements à l'intérieur des pays anciennement socialistes. Le socialisme a été trahi. C'est au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le PECUS, en 1956, que le tournant fut pris. Déjà avant cela, une couche de bureaucrates petits bourgeois s'était progressivement implantée au sein du parti et de l'État. 3 ans après la mort de Staline, ils prirent le pouvoir à ce congrès. Comme ces dirigeants recherchent la réconciliation avec le capitalisme, ils révisent et falsifient pas à pas le marxisme-léninisme et continuent à l'avoir à la bouche comme camouflage, déformé jusqu'au verbiage. Premièrement, la révolution prolétarienne devrait être abandonnée en faveur d'une supposée voie pacifique vers le socialisme. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est bafouée ainsi, mais cette illusion fut propagée par des partis révisionnistes. En Indonésie et au Chili, des centaines de milliers, voire des millions de communistes et de progressistes, ont dû le payer de leur vie dans des massacres sanglants. Deuxièmement, les révisionnistes modernes prétendent que la dictature du prolétariat serait superflue et que l'État se transformerait miraculeusement en État du peuple tout entier. Marx et Engels ont toujours souligné que le socialisme est une société de transition vers la société communiste sans classe. Ce n'est que dans la société sans classe que l'on peut renoncer pas à pas à un État en tant qu'instrument de domination contre les anciennes puissances. Dans une lettre adressée à Auguste Bebel en 1875, au sujet de la critique du programme de Gotha, Friedrich Engels lève toute ambiguïté. L'État n'étant qu'une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre. Tant que le prolétariat a encore besoin de l'État, ce n'est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l'État cesse d'exister comme tel. En troisième lieu, les révisionnistes modernes soutiennent que les communistes devraient à nouveau promouvoir parmi les masses des stimulants matériels à la place de l'engagement des intéressés pour la communauté. Les stimulants matériels organisent l'avantage personnel, veulent promouvoir l'enrichissement personnel dans le but de pouvoir détruire la conscience socialiste. Le stimulant matériel, c'est la politique pour détruire la communauté solidaire. Il favorise la concurrence et l'égoïsme. C'est le mode de pensée qui domine les bureaucrates petits bourgeois dégénérés, qui alors prirent le pouvoir au moyen d'un putsch, et c'est par ce mode de pensée qu'ils voulaient consolider ce pouvoir. Mais cette restauration du capitalisme se heurtait au prestige éminent de Joseph Staline parmi les masses. Alors Khrouchtchev et ses compagnons n'osaient pas encore l'attaquer publiquement. Le 20e congrès était officiellement déjà presque terminé lorsque Khrouchtchev prit les délégués au dépourvu par une diatribe sur Staline appelée « rapport secret ». Willy Dikut, cofondateur et maître à penser du MLPD, a déclaré que Khrouchtchev calomnia, dans un discours révoltant, la lutte exemplaire de Staline contre les ennemis de la classe ouvrière et du socialisme et contre les manœuvres scandaleuses de la bureaucratie. Il présenta cette lutte comme une série de persécutions, de mesures arbitraires, d'abus de pouvoir, d'oppression brutale et de liquidation physique d'innocents,
faisant de Staline un criminel. Le fait qu'une grande partie de ce discours secret contient des falsifications directes fut prouvé depuis longtemps aussi par des historiens bourgeois. Les anticommunistes bourgeois du monde entier acclamèrent Khrouchtchev. Ce qui auparavant n'avait été propagé que par les ennemis de l'Union soviétique et du socialisme, en particulier par les machines de propagande du fascisme hitlérien ou par les trotskistes sous le terme de lutte de stalinisme, devint alors la ligne officielle du Parti communiste de l'Union soviétique. Le socialisme subit une défaite catastrophique. Il en résulta une confusion et une scission immense dans le mouvement ouvrier international. Aussi, et surtout parce que Khrouchtchev, Brejnev, Ulbricht et Honecker prétendaient encore pendant des décennies être communistes et qu'ils prodiguaient des phrases banales. La dictature d'une nouvelle bourgeoisie bureaucratique naquit dans la direction du parti, de l'économie et de l'État. Progressivement, dans tous les pays anciennement socialistes, le capitalisme a été rétabli sous la forme d'un capitalisme bureaucratique monopoliste d'État. L'Union soviétique se transforma en une superpuissance sociale impérialiste. Socialiste en parole, impérialiste en acte. La guerre froide qui se déroulait n'était pas une guerre entre capitalisme et socialisme, mais plutôt une nouvelle concurrence inter-impérialiste. C'est ainsi que les nouveaux dirigeants du Kremlin déclarèrent leur prétention à la puissance mondiale. Les dirigeants dans les pays impérialistes occidentaux exploitèrent voluptueusement ce qui se développait dans le prétendu socialisme réel. Carriérisme, népotisme, égoïsme, privilèges pour les dirigeants du parti et de l'État et leurs familles, manque d'approvisionnement, paternalisme et absence de liberté de voyager pour les masses. C'est avec une méfiance abyssinale que Khrouchtchev, Honecker et leurs compagnons persécutèrent leur propre population et en particulier les critiques de gauche. Le ministère de la Sécurité et l'État changea de nature. À la place des ennemis du socialisme, c'est maintenant la population entière qui fut espionnée pour protéger la restauration du capitalisme de toute critique. En 1968, l'Union soviétique envahit la Tchécoslovaquie et en 1979, l'Afghanistan. De tels crimes ainsi que d'autres furent qualifiés en Occident comme typiquement staliniens. Juste pour vous le rappeler, à ce moment-là, Staline était déjà mort depuis des décennies. Mais pour le diffamer, les impérialistes occidentaux et les révisionnistes modernes sont parfaitement d'accord. On marginalise comme stalinistes ceux qui continuent obstinément à reconnaître les mérites de Staline. Vraiment tous, ou bien seulement le MLPD ? Pablo Picasso est probablement le peintre le plus célèbre du XXe siècle. Il n'a pas seulement déclaré « Je suis communiste et ma peinture est une peinture communiste ». Il resta fidèle à ce principe jusqu'à la fin de sa vie et publia à la mort de Joseph Staline le portrait à la fois frappant et simple sur la couverture de « L'Humanité », journal du Parti communiste français. Albert Einstein, le physicien sans doute le plus génial du XXe siècle, a déclaré à propos de la menace du danger de guerre « Je suis convaincu qu'il n'y a qu'une voie pour se débarrasser de ce mal, à savoir établir un système économique socialiste. » Le prix Nobel de littérature George Bernard Shaw déclara « J'ai répété à maintes reprises que la civilisation n'est possible que sur la base du communisme. » Des poètes et écrivains tels que Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Oscar Maria Graf, seraient-ils tous des staliniens? Et finalement Charlie Chaplin, où le classer lui, qui a dit « Je ne suis pas communiste, mais je refuse de haïr les communistes juste parce que c'est conformiste. » Une telle attitude démocratique ou même respectueuse des communistes et de leur conception du monde sont déjà ce que l'anticommunisme tente d'empêcher par tous les moyens. Mais cela se heurte à de la contestation.
Dans les années 1960, de nouvelles impulsions pour le mouvement marxiste-léniniste ouvrier international sont venues de Chine. Mao Tse-tung et le Parti communiste chinois ont soumis l'orientation du 20e congrès et de la politique de Moscou à de sévères critiques de principe. Sur cette base, de nouveaux partis marxistes-léninistes ont été créés dans de nombreux pays. L'enthousiasme pour la Chine de Mao Tse-tung et la révolution culturelle se répand parmi les jeunes du monde entier. En Allemagne, Willy Dicou, ajusteur et communiste expérimenté, s'attaque à la reconstruction d'un parti révolutionnaire à l'âge de 65 ans. Il devient le maître à penser et un modèle du MLPD. En 1972, le livre « La restauration du capitalisme en Union soviétique » a été publié, qui met à jour les causes profondes de la trahison du socialisme et attire beaucoup d'attention aussi au plan international. Particulièrement, les jeunes révolutionnaires voient les événements des années 60 en Chine comme une critique pratique et enthousiasmante de l'image sombre de l'Union soviétique et de la RDA. La grande révolution culturelle prolétarienne mobilise les larges masses contre la menace d'une prise de pouvoir par une bureaucratie dégénérée. Sur les journaux muraux et dans les réunions de critique publique, d'abord les élèves et les étudiants, puis aussi les ouvriers et les paysans s'expriment contre les dirigeants engagés dans la voie capitaliste à la Deng Xiaoping. Ces forces ne doivent pas leur arracher des mains les acquis du socialisme. Cette révolution qui touche l'âme inspire la jeunesse du monde entier. Même le Spiegel écrit au début de 1971 aujourd'hui, 4 ans après le déclenchement de la prétendue disgrâce culturelle, la Chine est le seul pays socialiste sans dette extérieure. Sa monnaie de commerce extérieure est l'une des plus stables du monde. Il semble avoir réussi à détourner les énergies libérées dans une gigantesque révolution technique et économique qui embrasserait toute la nation. Aujourd'hui, on ne peut plus lire une telle affirmation. Après le stalinisme, le maoïsme est devenu le cri de guerre central de l'anticommunisme moderne. La manipulation de l'opinion fonctionne comme des ciseaux dans la tête. En fait, on ne sait rien sur Staline et Mao Tse-tung, leur vie et leur travail à leur époque. Mais apparemment, chacun sait, d'une façon ou d'une autre, qu'il a dû s'agir de personnages terrifiants auxquels il ne faut plus continuer de s'intéresser. En Chine aussi, le capitalisme a été rétabli après la mort de Mao Tse-tung. Et c'est aujourd'hui l'un des pays impérialistes les plus agressifs du monde. Les conditions parfois barbares pour la classe ouvrière et la masse des paysans en Chine ne préoccupent pas les idéologues anticommunistes modernes. Ils n'ont d'intérêt que pour la manière de rejeter même cela sur Mao Tse-tung. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1989-90, la chute du mur de Berlin, l'intégration de la RDA dans la RFA et le développement capitaliste en Chine, la classe dominante déclare dans la joie la mort du socialisme ou même la fin de l'histoire. Mais ils ont tort et promptement leur gémissement reprend. Dans le monde entier, les luttes de masse sont à nouveau plus fortement associées aux idées socialistes. De nouvelles organisations marxistes-léninistes apparaissent et des organisations déjà existantes se renforcent. En Europe, des enquêtes montrent à maintes reprises que la majorité de la population persiste à croire que le socialisme est une bonne idée, qu'il a jusqu'à présent seulement été mal mis en œuvre. Les classiques du marxisme-léninisme sont présents dans les manifestations de masse dans de nombreux pays. Flexibilité dans les horaires de travail, stress permanent, harcèlement,
chômage et réformes, Ars 4, sanctions dans l'administration. Les contraintes du capitalisme renforcent en permanence le désir de liberté et de sécurité sociale des travailleurs. Même l'anticommunisme moderne ne peut le nier. Mais il reprend ce point d'une manière telle que, malgré tous les abus du capitalisme, la liberté personnelle serait au moins possible, alors que dans le socialisme, on manquerait de liberté et la terreur régnerait. Ainsi, on prétend que chez nous, chacun aurait le libre choix professionnel, que chacun pourrait faire carrière, pourvu qu'il le veuille. Il y a 2,2 millions d'étudiants en Allemagne, plus de jeunes gens que jamais auparavant. Ils n'apparaissent dans aucune statistique du chômage. Mais tout au plus, un étudiant sur trois obtiendra un emploi dans sa formation, à moins qu'il n'abandonne ses études avant. La situation de la jeunesse ouvrière est nettement plus extrême. Après un apprentissage réussi, une grande partie des apprentis n'est pas embauchée et travaille sous contrat intérimaire à salaire bas pour une agence de travail temporaire. Aujourd'hui, presque un tiers des 24 millions de jeunes dans l'Union européenne entre 15 et 24 ans n'a pas d'emploi, soit 7,5 millions de jeunes. Telle est la réalité du prétendu libre choix professionnel sur le marché du travail capitaliste. Il n'est plus question de liberté et de droits de l'homme lorsque des grèves et des manifestations de masse sont opprimées par la violence, la surveillance et le mouchardage sont omniprésents. Au nom de la liberté de l'individu, les 500 plus grands supermonopoles internationaux dans les banques, l'industrie, le commerce et l'économie agricole dominent presque la totalité de l'économie mondiale. Ils contrôlent les organisations internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ou bien l'Organisation internationale du travail, ILO. Ils s'ingèrent dans la politique de tous les pays du monde et façonnent le système du néocolonialisme. À l'échelle mondiale, 1250 millions de personnes sont au chômage. Des millions de personnes fuient les guerres et les catastrophes environnementales. Des milliards doivent survivre avec moins d'un dollar par jour. Quelle est la liberté de décision de tous ces gens? Justement, les communistes, qui continuent de porter le flambeau de la lutte pour la liberté de l'humanité, sont accusés par les défenseurs de tels rapports sociaux de vouloir abolir la liberté. En 2012, la MLPD pouvait célébrer fièrement son 30e anniversaire. De la confusion de plus de 150 groupes communistes, ou groupes K, nés suite au mouvement étudiant de 1968, la MLPD s'est développée et consolidée comme seule organisation ouvrière révolutionnaire en Allemagne. Aujourd'hui, le MLPD et son organisation de jeunes rebelles sont représentés dans plus de 450 villes et régions dans tous les Länder, avec près de 75% de ses membres étant des ouvriers et des simples employés. Il est un véritable parti ouvrier. Les femmes représentent 43% de ses membres. Ces membres sont des personnes qui pensent et agissent de façon autonome. Un travail théorique intensif en a créé la base. Les analyses et conclusions essentielles sont aujourd'hui rassemblées dans les 35 numéros de Voix révolutionnaire, l'organe théorique du MLPD. Mais le parti a aussi de puissants ennemis. Kohl Schorweiler, la centrale de l'Office fédéral de la protection de la Constitution et le siège du service de renseignement intérieur. Précisément, cette institution la plus malfamée de l'Allemagne est le propagandiste le plus important de l'anticommunisme moderne en Allemagne. Le personnel dirigeant de la Gestapo fasciste, la police d'État secrète d'Hitler, fut réparti après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne de l'Ouest. Une partie alla au renseignement US, la CIA. Une partie au service secret britannique. Une autre trouva son domaine d'activité dans les nouveaux services secrets allemands. Après la fin de la RDA, une part non négligeable de membres de la Stasi fut également intégrée dans le service de protection de la Constitution. Quelle compagnie vraiment illustre!
Une partie du mandat officiel et de la justification du service de renseignement intérieur est d'observer les groupes néofascistes. Le scandale autour de la bande néofasciste d'assassins, NSU, Mouvement clandestin national-socialiste, et ses liens avec le Parti national-démocrate d'Allemagne, NPD, fournit de nombreuses preuves de la façon dont cela se fait efficacement à l'aide de nombreux agents infiltrés. Les résultats d'observation pour défamer les organisations de gauche dans les rapports annuels du service de renseignement intérieur sont automatiquement transmis à toutes les rédactions des journaux, aux stations de radio et de télévision, aux autorités publiques, écoles et universités et aux millions de fonctionnaires publics. Traités comme source d'informations sérieuses, ces rapports alignent les éléments de langage sur la manière de traiter le danger de gauche. Une méthode centrale de l'anticommunisme moderne, ce sont les analogies historiques arbitraires. Selon le schéma aussi simple que douteux du « si » par conséquent, on prétend « si dans le socialisme, à cette époque, il y avait des crimes, par conséquent, ceux qui s'engagent aujourd'hui pour le socialisme devraient approuver ces crimes et connaître des crimes similaires dès qu'ils en auront le pouvoir. » Avec la même logique, il faudrait condamner chaque membre des églises chrétiennes d'aujourd'hui parce que, au Moyen-Âge, les croisades ont été fomentées au nom du christianisme et plus tard, des sorcières ont été brûlées. Cette méthode pourrait aussi être utilisée aujourd'hui pour dénoncer n'importe quel membre du SPD parce que en 1919, la direction du SPD d'alors était conjointement responsable de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Toujours pendant la répression du mouvement révolutionnaire de l'armée rouge de la Ruhr en 1920, les politiciens du SPD se salirent les mains avec le sang de 2000 gardes rouges assassinés. Il est évidemment absurde d'imputer cela aujourd'hui aux ouvrières, chrétiens, aux social-démocrates. Mais avec les communistes, c'est censé être différent. On ne leur attribue pas les progrès historiques sur le plan mondial, mais uniquement les insuffisances et les erreurs commises dans la construction du socialisme. Aucun communiste ne contestera que l'Union soviétique construite sans modèle historique, née de la détresse, des souffrances de longues années de guerre et de l'oppression tsariste la plus brutale, inhibée par l'analphabétisme endémique et le retard économique, a également commis des erreurs. Oui, il y a aussi eu des crimes contre l'humanité commis par des bureaucrates dégénérés. Mais ces problèmes ne sont pas nés du socialisme, mais de l'influence dans la société de l'idéologie bourgeoise qui n'avait pas encore été surmontée, ce qui se manifesta en particulier dans le mode de pensée bureaucratique petit bourgeois. Aujourd'hui, nous savons que Staline a sous-estimé ce problème idéologique. Nous savons aussi que les masses n'ont pas été suffisamment mobilisées par Staline dans la lutte contre les bureaucrates petits bourgeois et les carriéristes, qui souvent s'affairaient comme dénonciateurs insidieux et n'avaient pas peur de commettre des crimes. Mais malgré cela, le système socialiste était loin d'être criminel. L'Union soviétique, sous la direction de Staline, était à juste titre l'exemple brillant du mouvement révolutionnaire et ouvrier international. Le MLPD s'engage à défendre et poursuivre les acquis socialistes. Ce faisant, il apprendra des erreurs et les évitera dans une société socialiste future. Un excellent exemple de la diffamation anticommuniste est leur accusation de culte de la personnalité qui est soulevée contre Stefan Engel, alors président du MLPD, non pas avec des preuves factuelles, mais avec une allusion douteuse qu'il y avait aussi un culte de la personnalité de Staline ou de Mao Tse-tung. La preuve grandiose, depuis 1979, à tous les congrès, Stefan Engel a été élu par scrutin secret au comité central, où il a été élu président. De plus, dans cette fonction, il donne environ deux fois par an une interview à Rote Fahne, le journal du parti. Dans la logique du service de protection de la Constitution, cela prouve vraiment tout. Quand il s'agit de la présence permanente de politiciens bourgeois ou du pape infaillible, on aime parler de continuité ou de succès, mais certainement pas de culte de la personnalité. Mais les messieurs défenseurs de la Constitution en remettaient une couche et présentaient dans leur mémoire relative au procès du MLPD contre les diffamations une nouvelle chaîne de preuves époustouflantes du culte de la personnalité de et par Stefan Engel. De temps en temps, il a écrit des poèmes
et certains d'entre eux avaient été publiés dans Rotefane. Qu'est-ce à voir avec le culte de la personnalité rappelant Mao? Mao Tse-tung a aussi écrit des poèmes. Encore des questions? Ceci allait bien trop loin pour le tribunal qui normalement juge selon une justice de classe atroce. Il a fallu noircir ce passage dans un certain livre diffamatoire, tout aussi l'affirmation qu'il y avait des vagues d'épuration dans le MLPD. Tout était tellement embarrassant que la maison d'édition Schoening retira le livre de son catalogue. Néanmoins, le tribunal souligna que la liberté d'opinion permettait de traiter le MLPD de secte et d'autres impertinences. Évidemment, le MLPD n'accepta pas cela. Dans ses efforts pour aller au fond des causes des évolutions négatives du socialisme et pour en empêcher le retour, le MLPD a développé l'enseignement du mode de pensée. Il démontre comment des révolutionnaires et antifascistes, initialement honnêtes, comme la plupart des leaders du SED, Ulbricht et Honecker, l'ont été autrefois, pouvaient se transformer en potentats vis-à-vis du parti, avec la carte dans la poche, ayant quitté la voie socialiste, emplis d'égoïsme et imbus de leur pouvoir, pour devenir une nouvelle bourgeoisie. La pensée et l'action autonome de tous les camarades sont décisives pour le succès du MLPD. Nous doutons qu'il existe un autre parti ou une autre organisation qui accorde autant d'importance à la formation de ses membres, à la critique et à l'autocritique, à l'analyse constante du développement économique et politique et à l'amélioration de son propre travail. En Allemagne, ce qu'on appelle les critiques outrageantes sont interdites par la loi. Mais cela n'est pas respecté quand il s'agit de communistes. Les porteurs de l'anticommunisme moderne contre le MLPD sont souvent des anciens gauchistes destitués. Un certain nombre de ces contemporains douteux sont en particulier dans les rangs des Verts et du SPD, parmi lesquels figurent Ulla Schmidt, Bertolt Huber, Jürgen Trittin, Joschka Fischer et d'autres. Ils étaient actifs dans les années 1970 au sein des nommés groupes K et rêvaient d'une révolution, si possible encore ici et aujourd'hui. Vu que cela n'était pas possible, leur mode de pensée petit bourgeois les poussait à la marche en travers les institutions. De cette façon, ils pouvaient avancer jusqu'à des postes dans le gouvernement en sacrifiant leurs idéaux pour une place au chaud au sein de la bourgeoisie. Un rôle particulier dans le concert de l'anticommunisme moderne est joué par les révisionnistes modernes du parti de gauche et du parti communiste allemand, le DKP. En 1969, le DKP reçut son adhésion légale comme parti à la suite d'un véritable marchandage. Il dut retirer des personnalités méritantes et connues de sa direction. Il dut s'engager à respecter la Constitution, y compris la protection de la propriété privée des moyens de production. Il dut renoncer dans son programme à la dictature du prolétariat et à la révolution socialiste. Et c'est ce qu'il fit. Par conséquent, en revanche, l'interdiction de l'ancien parti communiste allemand, le KPD, et de toutes ses successeurs reste en vigueur jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée contre le MLPD, auquel on refuse l'adhésion au syndicat IG Metall en raison des décisions d'incompatibilité et que l'on exclut du libre accès aux médias. Grégoire Guizy, star médiatique du parti de gauche, a déclaré à plusieurs reprises qu'il préférerait coopérer avec le Parti libéral plutôt qu'avec le MLPD, en se référant par loyauté à la Constitution, à des sources avérées, les diffamations de l'Office pour la protection de la Constitution. Dans l'espoir d'une participation au gouvernement aux côtés du Parti social-démocrate SPD, la direction du Parti de gauche s'éloigne de plus en plus des positions progressistes et combatives. L'illusion d'une voie pacifique vers le socialisme, la diffamation de la violence révolutionnaire contre la résistance brutale des dominants est présentée avant toute chose comme ligne de base dans les principaux représentants du Parti communiste allemand DKP et du Parti de gauche. De plus en plus de membres du DKP et du Parti de gauche s'y opposent.
Si le capitalisme et l'impérialisme pouvaient être si facilement apprivoisés par le biais d'élections et de réformes, on se demande pourquoi, depuis plus de 150 ans, des millions de révolutionnaires à travers le monde entier ont mis toute leur énergie, leur vie entière dans la balance de la vie, comme disait Rosa Luxembourg autrefois, pour la préparation et la réalisation de la révolution, pour construire et défendre une société socialiste de façon désintéressée. Beaucoup de gens détestent à juste titre l'opportunisme, le conformisme et le carriérisme. Ils veulent savoir comment le MLPD veut empêcher ses cadres de dégénérer de la même façon une fois arrivés au pouvoir. Un système d'autocontrôle et de contrôle du parti qui est constamment perfectionné est la réponse convaincante. Le MLPD, avec son organisation de jeunes rebelles, se présente comme radicalement de gauche, révolutionnaire et pour le véritable socialisme. Il attire de plus en plus les gens qui cherchent une issue pour sortir du manque de perspective du système sociétal capitaliste. Le MLPD est le Parti ouvrier révolutionnaire, le parti de la jeunesse, de la libération de la femme, de l'internationalisme prolétarien, de la protection radicale de l'environnement, de la lutte pour la paix, de la lutte antifasciste conséquente, de la lutte pour des droits et libertés démocratiques. Il est le parti de la libération pour tous ceux qui sont exploités et opprimés par l'impérialisme. Quiconque est directement impliqué dans le travail quotidien du MLPD, dans les entreprises, les syndicats et les auto-organisations, ou dans les quartiers et urbains, qui donc connaît son travail et sait le juger, sera certainement surpris par les diffamations. Mais l'expérience pratique ne suffit pas pour faire face au système du mode de pensée petit bourgeois et au mode de pensée petit bourgeois anticommuniste. Certains hésitent à se positionner ouvertement contre l'anticommunisme moderne, parce qu'ils sont inhibés par le sentiment tenace qu'il y a quelque chose de vrai dans les reproches répétés comme des moulins à prière. Les subtiles craintes d'être instrumentalisées ou des réserves sont mobilisées. Il serait donc préférable, par exemple, que aucun parti ne participe aux unités d'action. En réalité, cette exclusion ne concerne le plus souvent que le MLPD. Il est accusé de domination par les leaders autoproclamés du mouvement actuel. Ce faisant, ils défendent sans honte les positions du SPD, des Verts ou du Parti de gauche et tirent les ficelles. Le MLPD insiste sur la nécessité de se manifester ouvertement et de permettre à chacun de porter son propre jugement. Chacun devrait pouvoir se faire une idée des points de vue des différents courants et partis en théorie comme en pratique. Les opposants au socialisme le savent. Dans le débat ouvert, ils sont incontestablement inférieurs. Pour cela, ils l'évitent, comme le diable craint l'eau bénite. Le MLPD n'a pas besoin de craindre le débat ouvert. Au contraire, comme les rumeurs, les réserves et les calomnies de l'anticommunisme moderne sont totalement infondées, nous recherchons le débat ouvert, la libre controverse, et nous attaquons de façon offensive et avec assurance. Nous le savons, ceux qui veulent lutter pour la liberté devront se libérer des craintes et des réserves anticommunistes. Ils remarqueront alors que le MLPD est attaqué parce qu'il a des réponses aux questions brûlantes d'aujourd'hui. Plus la crise du capitalisme apparaîtra et plus le MLPD gagnera du terrain, plus l'anticommunisme moderne fera rage, mais ce faisant, il s'usera aussi. La polarisation ouverte aide aussi les masses à voir plus clair qui est ami ou qui est ennemi. Qui veut se forger sa propre opinion du MLPD doit étudier son programme et apprendre à connaître le parti de manière approfondie, en théorie et en pratique, de préférence en étroite collaboration. Un nouveau mouvement anti-anticommuniste émerge également en Allemagne, touchant un large spectre social. En Bavière, des milliers de signataires de 84 organisations soutiennent une déclaration de protestation au ministère bavarois de l'Intérieur
pour la fermeture immédiate du site internet La Bavière contre l'extrémisme de gauche. Dans une lettre ouverte, 95 organisations d'utilité publique s'opposent à un plan qui veut refuser le statut d'organisation d'utilité publique aux organisations qualifiées d'extrémistes par le service des renseignements intérieurs et donc leur refuser les avantages fiscaux. Il est temps de rendre hommage à Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao Tse-tung pour leur mérite dans la lutte pour la libération de l'humanité de l'exploitation et de l'oppression, de comprendre leurs activités pratiques, de s'occuper en détail de leurs écrits et leurs conclusions, de tirer des leçons pour la lutte actuelle et future. Notre système de films et manifestations y sera consacré. Soirée après soirée, nous irons nous approprier les connaissances solides, les arguments puissants, les sentiments forts et une sûreté grandissante dans l'offensive pour le véritable socialisme et contre l'anticommunisme moderne. Chacun de ces classiques du marxisme-lénisme était au centre du respect et de la grande estime révolutionnaire et des masses, mais aussi dans le collimateur de l'anticommunisme. Basés sur la confiance dans les masses, ils ont tous remporté des succès qui ne seront pas oubliés. Ne laissons aucune chance à l'anticommunisme. Nous remercions l'Union prolétarienne marxiste-léniniste de France pour son apport dans la traduction en français des commentaires.